Oh, sprinter, sprinteuse, bonjour tout le monde, chers galaxiens, ne pas me tromper de nom. Allez, on se retrouve pour l'étape numéro 13 de ce Tour de France virtuel sur Pro Cycling Manager 2013, entre Tours et Saint-Amand-Montrond, d'une longueur de 175 km, c'est une étape de plaine, encore une fois pour les sprinteurs, mais vu qu'on avait été surpris par les échappées la dernière fois, nous allons dire que peut-être nous allons essayer de nous échapper, surtout qu'il y a une petite côte à la fin de la course, donc bon, on devrait pas pouvoir faire une grosse différence, mais bon. On sait jamais. Voilà. Allez, c'est parti, les amis, pour l'étape numéro 13. Soyons fous. Let's go. Donc, on va prendre, bien sûr, le C1 pour la plaine. Et c'est parti. En tout cas, notre équipe est en excellente fraîcheur pour tout le monde. Vraiment, ça fait du bien de voir que tout le monde est en grande forme. On est parti directement. On ne va pas traîner aujourd'hui. Alors, nous continuons. Qui sont les leaders aujourd'hui? Bien sûr, c'est Cavendish, Kittel, Greipel, Dekengop, Goss, Demare, Farah, Rencho, Bossenhagen, Meersman qui est le poisson pilote. De Cavendish, mais forcément, poisson pilote veut dire aussi très bon sprinter, c'est logique. Voilà, voilà. Et donc après, qu'est-ce que nous avons d'autre en tant que à ne pas sous-estimer? Je n'ai pas eu le temps de finir la liste, s'il vous plaît. Ne voulez-vous pas me le mettre? Ce serait gentil. Alors apparemment, il ne veut plus me donner la liste des coureurs. En tout cas, ce n'est pas grave. En tout cas, petite présentation de l'épreuve, les amis. C'est maintenant. La 13e étape est un véritable voyage au centre de la France. La route emmènera les coureurs de Tours jusqu'à Saint-Amand-Montrond en traversant les paysages de Touraine et du Berry. À 10 km de l'arrivée, les coureurs traverseront la commune de Bruère-Alichamps, qui selon les spécialistes serait le centre géométrique de la France. Une arrivée massive semble toutefois inéluctable. L'allure sera soutenue tout au long des 173 km du jour. Les coureurs devront faire preuve d'une grande vigilance car dans la plaine, le vent pourrait bien ajouter un grain de folie au déroulement de la journée. Des cassures sont à envisager dans le final et certains grimpeurs mal placés dans les 20 dernières bornes pourraient perdre du temps au classement général. Soyez le bienvenu dans le centre de la France. Allez, on est parti. On commence l'étape avec Cantwell Zog qu'on voit tout de suite. Alors on va passer le maillot jaune tout le monde à l'avant. Alors déjà on va s'organiser les amis, petite pause rapide. Alors avec Contador on va protéger... je vais mettre qui avec Contador. Mauka qui va être protégé par je ne sais plus qui. Kreuziger qui va protéger Contador un maximum. Mauka qui va être protégé par Rogers. Allez, soyons fous. Benati, je vais le faire protéger par Breschel. Hop, tu protèges Benati. Enfin Rogers, Kreuziger, Roche. Roche il est protégé par qui? Roche il est pas protégé, on va le faire protéger par Zog. C'est parti, Breschel qui protège Benati, Contador qui est protégé par Kreuziger et Cantwell qui ira chercher les bidons bien sûr comme d'habitude. Et Rogers qui protège Mauka, ok donc tout va bien. Là on s'est bien organisé par contre du coup. On va faire remonter Contador s'il vous plaît. Donc qui c'est que je voulais faire partir? Je voulais faire partir une petite échappée aujourd'hui. Pourquoi pas, bon c'est un petit peu débile surtout que, ouais comme a dit l'annonceur juste avant, ce sera un rythme assez soutenu. Est-ce qu'on pourrait faire partir non pas Nicolas Roche, Rogers non plus, Benati non plus, Breschel j'aimerais bien faire partir. Au pire ce qu'on va faire, Breschel, ce que tu vas faire c'est que tu vas remonter à bloc. On va faire ça comme ça, Breschel on va le faire partir, c'est un bon rouleur en plus. Bon baroudeur, bonne endurance, bonne récupération, bonne résistance, tout va bien. Cantwell est comment? Était un petit peu moins bon. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que Cantwell tu vas protéger Benati. Et Zog, qu'est-ce qu'il fait Zog? Zog il va rester là tranquillement, il protège Nicolas Roche. On va faire monter Breschel et puis écoutez, il va essayer de partir en échappée, histoire d'animer un petit peu la course, parce que la course précédente, l'étape précédente les amis, si vous êtes d'accord avec moi, était un petit peu molle du genou. Voilà, parce que vraiment il n'y avait pas eu de choses exceptionnelles, disons-le honnêtement. Allez, ça bouge à l'avant, Puriol, Izaguirre, alors Rémi Puriol qui continue sur sa lancée, j'ai l'impression. Cantwell, qu'est-ce qu'il fait Cantwell? Il va protéger qui? Il va protéger qui Cantwell? Benati? C'est que Benati, faut remonter un petit peu mon gars. Ah, Benati, tu remontes, hein. Benati, tu me fais pas des coups comme ça, hein. Allez, Breschel qui remonte. Parmi les grosses écuries, on ne se soucie pas trop de l'échapper. Ah, bah vous devriez. Peloton, E2. Ok, allez, on va remonter. Ouh, ça commence à être... Oula, attendez. Oui, il commence à avoir des cassures, là. Attention avec le maillot jaune, etc. Ne pas être perdu. Cantwell également, Benati qui remonte. Ouh, Mauka qui est en queue de peloton, qu'est-ce qu'ils font là? Eh, ouh, Mauka, tu vas remonter rapide, hein. Ça va pas, non? Allez, Mauka qui va remonter aussi, Nicolas Roche.
Nicolas Roche, tu vas aussi remonter. Donc, qui Contador, tu vas remonter rapidos aussi. Et Brechel, bon, tu remontes depuis tout à l'heure. Voilà, Froumela, en plus, on va pas le laisser partir. J'ai l'impression que le peloton ne veut pas laisser partir. Je sais pas si c'est moi. Allez, bref, Brechel, tu remontes à mort. Allez, de toute façon, on fait remonter tout le monde. Attends, on va remonter à 68. Federigo qui passe une attaque. J'ai l'impression que les équipes de sprinteurs pourtant sont à fond. Donc ça sert pas à grand chose de partir maintenant. Est-ce qu'on va attendre un petit peu que ça redescende un petit peu l'allure? Parce que ça me paraît beaucoup quand même. C'est pas vraiment un moment placé pour une attaque ça. Allez, sérieusement. Stop, Contador. On va s'arrêter là. Qui c'est qu'il y a aussi? Donc on va attendre que les autres montent mieux que ça. Il est où le Brechel? Il est à la Brechel. Donc on va rester là. Tranquillement. Voilà, il y a une échappée à la 40 secondes. J'ai l'impression que les équipes de sprinteurs se relayent à mort. Attaque de 5, Poriol, Isiguaré, Gutiérrez. Donc je vais attendre peut-être que le beau temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Certains coureurs resteront au chaud en attendant. Le rythme augmente. Ouais, voyez-vous, ça sert à rien d'attaquer dans cette étape-là. Si j'avais attaqué, c'était dans celle d'avant. Dommage. Allez, on va rester comme ça, tranquillement. Voilà, bon, j'ai l'impression que le peloton ne laisse pas du tout partir. Dommage. Nicolas Roche, reste comme ça, c'est bon, on se calme. Qui c'est qui reste aussi à l'avant? Mauka qui est remonté. Ok, on va le laisser remonter légèrement plus. Hop, et on s'arrêtera bientôt, en le laissant remonter. Hop, tu peux pas remonter mieux que ça, mon dieu. Allez, je te fous un petit coup de fouet. Voilà, un petit coup de fouet. Hop, vas-y, magnifique. Voilà, tu restes là, comme ça, on est bien. Allez, alors on reste avec Brechel. Qui c'est qui redescend? Là, vous avez vu Mauka. Qui ça? Qui c'est qui part? Brechel est où? Brechel est là. On est à 50 secondes. Bon, ça sert à pas à grand chose. J'ai bien l'impression que les équipes de sprinteurs sont chauds aujourd'hui. En plus, il pleut. On risque de tomber en plus. Hein, donc attention. Allez, Mauka n'est pas trop loin, je l'espère. Mauka est où? Mauka est là. Pas de problème. Brechel qui reste devant. Pas de risque, on n'oubliera pas de ravitailler nos coureurs. C'est une étape vraiment qui va être assez rapide, je sens, vu que le peloton roule à fond. On va faire tout à fond, surtout que c'est une étape qui est pas très longue, hein, 174 km je crois, 175, donc c'est pas du tout long du tout. Ok, donc on fera juste un petit sprint intermédiaire, je ne pense pas même, parce que je me ferai complètement tuer par Cavendish, ou par Kito, je ne sais plus qui là, comment il s'appelle l'autre je ne sais plus, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va s'arrêter là. Alors, Zog, c'est qui va me ramener ça? C'est Cantwell? Non, Brechel non plus. C'est qui devait aller chercher les bouteilles? Kreuziger, machin. Benatti non plus. Nicolas Roche. C'est Brechel? Ouais, c'est Brechel. Donc, Brechel, tu vas aller chercher les bidons. Ils sont à 6 minutes? Ah oui, quand même, ils ont pris du temps. Ok. Autant pour moi. Allez, Brechel qui va chercher les bidons. On est tranquille. Voilà. Donc, on aurait pu quand même aller tenter une échappée avec Brechel. Vu qu'ils sont déjà à 6 minutes, ça paraît assez bizarre d'ailleurs qu'ils soient aussi loin. Allez, donc on reste tranquille, nous, dans notre peloton. Comme étape précédente, c'est pour ça que ça commence à être un petit peu mou. Vivement, les amis, les étapes de montagne, je pense que vous attendez que ça aussi. Donc déjà, la prochaine étape, ce sera une étape où il y aura des cols de montagne. Donc forcément, il faudra que je parte avec Roche. Il faudrait pourquoi pas que je gagne des points avec les grimpeurs. Donc on verra bien. Mais c'est surtout celle d'après, les amis, où il y aura le Mont Ventoux. Et là, par contre, on va devoir quand même y aller Mouse costaud. Voilà. Allez, 7 minutes 44 pour les échapper. J'ai l'impression qu'ils veulent pas rouler. Attendez, on est à 102 km. On va faire rouler parce que j'ai l'impression qu'ils ne roulent pas en fait. Alors, c'est un petit peu dérangeant. Alors, ce qu'on va faire, on va faire rouler. Blablabla. Qui c'est qu'on va faire rouler? Bah écoutez, Brechel. On va faire rouler Brechel. Hop, on va faire rouler. Rogers qui protège Mauka. Mauka peut se débrouiller tout seul, non? Benatti, non. On va faire rouler Rogers. Hop. Et Mauka, il va se faire protéger par... Nicolas Roche, pareil. Bon, Zog, on va le faire relayer aussi. Nicolas Roche qui va protéger... non. C'est... Ouais, si. Parce que Mauka est bien mieux placé en termes de général. Et premier en moins de 25 ans, en plus. Donc ça, c'est important. Je veux garder le maillot blanc, quoi. Allez, on y va. À fond, Cantwell, Brechel... Et je ne sais plus qui, hein. Qui c'est qui relaye? Donc, Zog. Nous avons Brechel... Et Rogers, qui normalement devrait pas tarder à arriver. Voilà, je mets 3 personnes qui relayent. Parce que là, vraiment, ils sont déjà à 8 minutes presque. Faut arrêter ces bêtises, là. Faut arrêter ces conneries, parce que moi, je veux gagner l'étape, hein, ce coup-ci. Je veux la remporter, cette foutue étape. Et ouais, c'est un peu les mêmes échappées. En plus, Gutiérrez,
Poriol, machin, machin, machin. Donc non, j'ai pas envie de les laisser gagner. J'ai envie que ce soit au sprint massif. Donc on va faire travailler un petit peu les équipiers. Voilà, pour qui ils mènent un petit peu le train dans cette étape pour remonter. 7 minutes 15. Bon, ça a l'air assez tranquille. Là. On reprend vite des minutes, ça vite des secondes. Donc on va peut-être baisser légèrement le pourcentage. On va mettre par exemple à 60. Ça paraît bien, 60, voilà. Pour reprendre un petit peu de terrain, mais pas trop non plus. On fait des relais courts. Des relais courts, voilà, pour ne pas relayer non plus tout seul. On est tranquille et on reprend des secondes. Petit à petit, il reste 94 km. Donc je laisse le temps quand même de passer le sprint intermédiaire. Et puis après, c'est fini. Fini, fini, fini. Donc j'espère quand même que les autres équipes vont prendre des relais parce que je ne vais pas relayer tout le temps. Hein. Écoutez, aujourd'hui, c'est mon tour. C'est mon tour parce que j'ai pas envie que l'échappée remporte la victoire. Mais quand même, hein. Voilà. Allez. En plus, si on peut tenter une petite attaque après, pourquoi pas. C'est déjà la moitié de la course. Ouais. Ok. Donc là, on est plutôt bien. Donc les autres sont pas abandonnés. J'ai aucun coureur derrière. Normalement, si tout va bien. Ouais, impeccable. Est-ce que Menchov est à l'arrière? Non, c'est Tom Dam. Ok, donc là tout va bien. Mauka qui s'est placé derrière. Mauka, tu vas remonter un petit peu, s'il te plaît. S'il te plaît, Mauka, remonte un tout petit peu. Hein, parce que moi, j'aime pas quand tu es derrière. Hein, tu vas remonter vers Roche. Attends. Mauka n'est pas protégé par Roche. Attends, je croyais que je l'avais mis. Attends pour moi. Allez, Mauka, on va t'arrêter. Allez, au moment des autres. Voilà, on t'arrête là, tranquillement. Allez, on est devant, on relaye toujours. On est à 6 minutes 15, donc on va leur laisser le temps de passer le sprint intermédiaire, bien entendu. Par contre, après, attention. De toute façon, là déjà, il va y avoir le sprint intermédiaire. Donc, les équipiers de Cavendish et tout vont augmenter le rythme, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut placer d'ailleurs Benati, là? Il est là? Ouais, on pourrait placer Benati. Écoutez, alors, pour faire un petit peu de sprint, il est à moins 1, 5e, 146 points. Donc, pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Ouais. Attendez, je vais faire remonter Benati pour le sprint là, non? 11 km. Peut être intéressant, hein. Il est où, Cavendish et tout là? Ils sont où tous ces mecs? Il est là, Cavendish, ok. Donc je vais faire remonter Benati. Brechel, il est à combien? Il est 7ème, 112. Ok, je vois un petit peu le truc. Ouais, je vois les lotos qui commencent à arriver pour les gros sprinters. Cavendish qui va peut-être remonter, normalement. Et il est que là, Cavendish? Étrange. Allez, alors, Benati, il est où? On va le faire remonter. Pourquoi les maillots jaunes? Oula, il y a un petit peu de mal, là. C'est pas grave. Allez, Benati. On va regarder Benati en joue. Ça remonte pour Mathieu Gosse, j'ai l'impression. Ouais, ça remonte pour Mathieu Gosse. Donc, Cantwell, il est où? Cantwell. Brechel qui relaye. Ok, Cantwell, tu vas remonter. Il est où, Cantwell? Il est là, Cantwell qui protège Benati. Ok, Cantwell, tu vas y aller. Benati, tu vas suivre. Cantwell, tu vas te mettre à... 80, c'est bien déjà, 80 c'est déjà pas mal. Il a plus 3 en plus qu'Antoine là, donc on peut lui faire quelque chose. Ouais, on va se mettre, bon, allez, 69, voilà. Il remonte, mais tranquillement, pas trop. Voilà, on se met à l'avant, les amis, tranquillement. Tranquille. Benati qui suit ou pas? Attendez, je vais le mettre à 70. Antoine qui continue à y aller. Ok, on a 6 km du sprint intermédiaire. 5 minutes des échappées. Ok, on peut faire quelque chose. Ça commence à se mettre en joue là. Oh là là, ça commence à se mettre en place en termes de. En termes de Greppel, en termes de. Cavendish et en termes de. Kittle normalement. Je ne sais pas où il est, je l'ai pas vu. Et Mathieu Gosse. Ok, on va augmenter un petit peu. Cantwell, on va le mettre à 75 et Benati, pareil. Allez. On est pas mal, on est pas mal. On est même très très bien, écoutez. Hop, donc là je vais arrêter de reprendre du temps avec Brechel et tout. Attendez, je vais arrêter de relayer pour rien. Bim, Rogers pareil. Et on va y aller, laisser aller Cantwell et Benati. 3,9, on va reprendre du temps, donc Antoine, tu vas y aller à 85, voilà, et Benati, tu vas essayer de suivre, déjà sur la balle. Allez, on y va, on avance, on prend de l'avance parce que je sais que les sprinters sont horribles. Hop, on prend un petit peu d'avance. Donc là, est-ce qu'on est bien avant? Ouais, c'est cool, on devrait y arriver. On devrait faire quelque chose. Oh bah je suis large en fait. D'accord.
Ok. Autant pour moi. Attention quand même que ceci ira bien. Est-ce que j'ai besoin de sprinter déjà? Est-ce que j'ai besoin de sprinter? Attendez. Quand même dis-je départ, j'ai même pas besoin de sprinter? Non! Attends, énorme. Benati, tu es où? Je vais te faire passer devant. Ouais. Benati, bah, ils sont trop loin maintenant. Ah, non, on va faire quand même sprinter, Benati. Benati, tu vas quand même sprinter un peu. Hein? Parce que j'ai pas pensé. Allez, Benati qui va sprinter. Oh. Ouais, c'est bon pour Benati, ok. Allez, ok pour Benati. Et ok pour Cantwell. Cantwell, tu vas protéger Benati. On va se remettre à 50. À 60 du moins. À 60, pareil pour Benati. Voilà, comme ça, on est tranquille dans l'étape. Voilà, donc on a pris quelques points avec Benati. Voilà, histoire de vraiment augmenter un petit peu en points. Mark Cavendish, je rappelle Matthew Goss, toujours les trois premiers du classement par points. Provisoire, je précise. Voilà, donc on est bien placé. Ok, alors avec Breschel, maintenant, donc pas avec Breschel, avec Cantwell. On va aller chercher les bidons. Non, pas encore, on va attendre un petit peu. Il n'y a que Breschel qui a un petit peu moins de bidons que les autres. Le tempo, c'est même ralenti. C'est marrant. 4 minutes 29, 70 km. On va reprendre du temps. Je pense que les équipes, les autres équipes vont se mettre en place un petit peu pour relayer, je l'espère. 4:40. Ah, je vois que c'est en train de reprendre du temps. Ok. Allez, alors Cantwell, tu vas aller chercher les bidons. Zog, tu vas relayer. Qui c'est que je vais mettre d'autres pour relayer? Rogers. Bim. Voilà, vous relayez les deux. Et puis, on va reprendre du temps, je l'espère, sous l'échappée. Parce que j'ai l'impression que les autres équipes n'ont pas envie, les amis, bah, écoutez, de reprendre du temps. Donc, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner l'étape au sprint avec Benati ou Breschel. On verra. C'est possible, je pense. Alors, on fait un petit récapitulatif, les amis. Plus 1 pour Mauka, 0 pour Benati, Rogers 0, moins 1 pour Koziger, 0 pour Roche. Contador plus 1, Breschel plus 2. Alors, Breschel, peut-être pour le sprint final, c'est possible. Cantwell plus 1, ok. Je vois. Allez, on va protéger Benati. Mauka, c'est Roche qui le protège. Rogers, il protège. Qui c'est qui protège Contador? Koziger. Ok, tout va bien. Cantwell va aller chercher les bidons. Il revient d'ailleurs, il remonte. Là, il n'y a pas de problème. Écoutez, tout va bien. Donc là, on est à 4 minutes. Ok, je pense qu'on va pouvoir les remonter tranquillement. J'ai deux équipiers qui relayent, donc c'est sans problème quoi. Allez, 3,59, ça va être trop chaud, hein, 60 km. Je pense qu'il va avoir du mal à suivre quand même. Voilà, 3 minutes, 4 minutes. On va peut-être même mettre les efforts un petit peu plus haut, ce serait même pas mal. Attendez, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite attaque à la fin, reprendre du temps avec Contador, un truc complètement fantaisiste? 3,41, ouais, on reprend du temps tranquillement. Allez, on va mettre à 65. Pareil pour Rogers, c'est histoire vraiment de reprendre un petit peu plus vite du temps. 3 minutes 30, 56 km, on est large, c'est bon. Allez, comme ça, ça me fait un petit peu travailler, ça fait un petit peu travailler mes équipiers. Ok, donc Cantwell qui revient pour donner les bidons à tout le monde. Pas de problème, en tout cas, mes sprinters sont bien. Hein. Plus 1 pour Cantwell, plus 2 pour Breschel, et Benati 0. Donc avec Benati qui n'est pas en grande forme. Isigouré, alors pourquoi pas faire essayer de gagner non, c'est Benati, je préfère faire gagner Benati quand même, parce qu'il est devant niveau maillot vert. On va voir. Alors est-ce qu'on reprend bien du temps ou est-ce qu'ils en reprennent? De 43, nous sommes à 47 km. C'est large. Ah, ils reprennent du temps. Oh, attendez là, oula. Rogers 70. Ok, Zog 70. Voilà, comme ça on est sûr de reprendre du temps. 2,52, c'est largement. 39 km, c'est large. Très très large. Allez, 3,01. Mais pourquoi ça remonte comme ça en fait? 2,50, 3 minutes. Allez, là, je relaye, normalement ça devrait y aller. Hein. Normalement. Hein. Ah, ils ont l'air de tenir quand même. Alors attends, est-ce qu'on peut rajouter un autre layer? On va mettre. On va mettre Cantwell. On va mettre Cantwell qui relaye aussi. Allez hop, comme ça là, normalement toute mon équipe, attendez, j'ai trois équipiers qui relayent, ça devrait être bon non? 3 minutes encore, ils maintiennent les 3 minutes, hein. C'est quand même fou, hein. Attendez, regardez-les, alors il y a Fedrigo, il y a combien de Français par contre? Ah, il y a plus d'Espagnols, donc là vraiment victoire espagnole, c'est possible, il y a deux Français, d'accord, Tony Martin, ah, bah quand même, ça y est, ça commence à relayer, je préfère,
C'était long, hein. Franchement, c'était long, hein. Ils se mettent quand même un petit peu en place, quoi. Je préfère. Donc, on a la Lotto, la Quick-Step. Je préfère le peloton accéléré. Ça, c'est mieux. 2 minutes 25. Et ils croyaient peut-être que j'allais y faire tout seul. Bah, tiens. Ils sont fous, je vous jure. Allez, donc, nous, on est bien. On relaye tranquillement. Voilà, 29 km. Est-ce qu'on recherchait des bidons? Non, on est bien. Je pense qu'on est bien, là. Je ferai donner le gel à mes Benetti, etc. À Bréchel et à Cantwell avant de sprinter. Voilà, 1,52, c'est bon, on va reprendre tranquillement. Je vais même m'arrêter de sprinter. Hop. Parce que de toute façon, on va les rattraper. Donc, c'est tout bon. Oh là, regardez ça, là, c'est bon, ça s'est mis en route, là. Là, c'est tout bon. Allez, oulala, par contre, attention, pas de décrocher, il y a Yaki, Mauka, Roche. Ah, c'est vachement étiré, là. Le peloton est super étiré, c'est un truc de fou. Alors, Majka, tu vas revenir peut-être, non? La ligne d'arrivée est allez. De 20 km, ah, attendez. Hop, P. Et là, par contre, je vais mettre tout le monde à 80. Non, 75. Par contre, attendez, il est où Benetti? Benetti. Oula, faut le faire remonter 23 km. On va le faire remonter. Benetti, qui est protégé par Bréchel. Allez, on fait remonter tout ça. Cantwell qui est de haut, qui est devant. Impeccable. On va le laisser là. Par contre, tu vas faire 80. Voilà. Et Benetti, on le fait remonter. Comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, Benetti, tu remontes. Benetti, 80 alors. Benetti, 80. Histoire qu'il remonte tranquillement, mais il faut quand même remonter, quoi. Allez, c'est bon. Alors là, vraiment, il reste 1 minute 09, 20 km, c'est mort pour les échapper, hein, je vous le dis direct. Donc ça se jouera au sprint massif. Et oui, effectivement. Allez, donc, on va mettre à 70. 60. Voilà, on va rester comme ça, on est tranquille. Stop, Cantwell. Hop, tu vas passer devant à 80. Benetti, Bréchel, tu vas protéger Benetti. C'est bon, c'est déjà en cours. Ok, Benetti, tu vas rester là. Et par contre, Cantwell, tu vas passer devant. Allez, Cantwell. Voilà, Cantwell qui passe devant. Bréchel, tu vas suivre. On peut pas encore. Ok. Donc Bréchel, ouais, Benetti, donc on va continuer, tu vas monter. Hop, on va les mettre à 60, 80, 17 km 80 pour remonter tranquillement. Ouh, qui c'est ça? Christophe, attention. Donc on va remonter tranquille. Cantwell, on va le faire aussi remonter. C'est bon, il remonte, Cantwell remonte. Pareil pour Bréchel, alors j'espère qu'on va réussir à faire un train correct là. Je l'espère vraiment. Allez, 14 km, les amis, Cantwell est en haut. Cantwell, d'ailleurs, tu vas baisser un petit peu le pied, 75. Bréchel, Carmont, stop. Bréchel, est-ce que tu peux suivre maintenant? Ouais, suis Cantwell. Benetti qui va suivre Bréchel. Voilà, et on va mettre tout le monde à 75. Voilà. Ça roule vraiment tranquille. Tranquille. Voilà, là, on est bien avec notre train. On est très, très bien. Hop. Alors, est-ce qu'on a tout réglé, là? Attention, ok, sûr, Contador est devant. Mauka, qui c'est qui est shoté? Jean-Christophe Perrault du Moulin et Simolai. Ok, on va faire remonter quand même Mauka. Hein. Mauka qui est en remontée depuis tout à l'heure, mais qui n'est pas remonté. Ça, c'est pas normal. Allez, il va remonter. Normalement, je lui ai dit de remonter. J'espère que je ne perdrai pas de temps avec lui. Et là, on est plutôt bien placé, écoutez, avec le sprint. Il n'y a pas de raison. Voilà, tranquillement, Cantwell qui se calme. Oulala, un leader. Moreno Moser. Oh mon dieu, Moreno Moser. Oh mon dieu, il est où? Wouah, y'a qui? La vache, regardez-moi ça. La Strasse. Gavazzi, Trofimov, Iver, Moser, Koren, Kuczynski, Ratto, Gasparato, Luis Leon Sanchez, Dall'Antonia, oh là là, et eux ils s'en sont sortis, ok. Oh là là, il y en a qui ont pris du retard quand même, mine de rien, waouh, Romain Sicard, ah ouais, il y a des trucs là qui vont pas. Oh, ça chute encore, oh mon dieu, Brice Feuhu, je sais pas si c'est Brice, mais c'est Feuhu, ok. Waouh, impressionnant, quand même très impressionnant. Ok, on est devant avec notre équipe. De la Saxo Tinkoff, donc attention, on se prépare. Il y a Yaki, Grabsch, Impey, machin, De Griff, Albazini,
Lancaster, Chavanel, Mersman, Cavendish juste ici. Rogers, alors est-ce que Rogers peut... Non, on s'en fout de Rogers. On laisse le train avec les trois là. Allez, Benati. Hop, on est à 9 km les amis. Alors attention, là on va mettre les gels Cantwell. Attaque. Attaque de Tony Martin. T'es fou de moi. Oh là là. Ah, ça craint par contre. Allez, Cantwell gel. Brechel gel. Et machin gel. Voilà. Ah, c'est chaud là. Allez, Cantwell. Oulala, là là, attendez lui là. Ça va pas ça. Cantwell, on va le faire aller à 85. Allez, go go, faut remonter là. Encore un peu plus. Tant pis si je grille Cantwell, c'est pas grave. 7 km. Ah, donc il est revenu, Martin apparemment. Ok, vous voulez jouer comme ça. Bon. 99. Et Benati et l'autre, on les garde en joue. Ok, ok, on le suit, on le suit, on le suit. Ah, il y a les échappés en plus, il y a encore les échappés. On est mort de rire, ils vont se faire bouffer. Et comme ils vont se faire bouffer, quoi. Allez, Benati, on va le mettre à 75. C'est Benati qui en chie apparemment. Ok, donc Antoine, on va le laisser. Ah. Voilà, tranquillement, pas non plus accélérer comme des bœufs. De l'arrivée, ils viennent. Allez, de en plus ils ont le gel. Ah, regardez-moi ça. Est-ce que l'échappée peut aller au bout, mine de rien? Attendez, est-ce qu'ils ont quand même un petit peu d'avance à 6 sprints? Moi je pense qu'ils vont se faire bouffer quand même. En plus il y a une petite côte là. Donc Cantwell, Brechel et Benati. ...4 km. Il faut encore garder un petit peu Cantwell dans le jus là, parce que... Il reste 3 km quand même. Ouais, Cantwell, faut que tu y ailles. Ah, j'ai l'impression que c'est bon pour Kittle, ça. Allez, 99. Oh, ça va être chaud, là. Hein. Le peloton vient de reprendre. Attention, Cantwell, faut que tu partes. Alors, sprint de Cantwell, et pareil, ça va suivre avec Brechel, etc. C'est parti. Ouh, Cavendish. Cavendish va faire très très fort. Cavendish ou Kittle. Ça y est, le sprint est lancé. C'est fini pour Cantwell. Brechel. Benati. Tac. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, à mort. 1 km. Ouh là là, Renshu, il y a bien du monde là. Benati, sprint 99. Va faire mieux. J'aurais dû utiliser le gel après, du moins. Allez, je peux pas faire mieux là, écoutez. Benati, fais ce que tu peux. Allez, Brechel, Benati, oui, 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 allez, troisième. Ah, ça va être chaud. Ouais, je pense qu'on peut passer troisième. Il y a qui là? Il y a Kittle. Est-ce qu'on va passer devant Kittle et Mathieu Gauche? Je pense que oui. Avec Brechel ou Benati? Brechel, oui, avec Brechel. Brechel, troisième. Et enfin, Benati, sixième. Donc, ça confirme bien que Brechel était en meilleure forme. Mark Cavendish, toujours premier. Là, il était large devant tout le monde. Il n'y avait rien à dire pour Cavendish. Par contre, Brechel, encore une fois, troisième. Donc, c'est une très, très bonne chose. Wow, c'est chaud. Ah là là, je vous jure. Chaud. Eh ouais, du coup, il y a des malheureux, là. Regardez ça. Dupont, il y en a plein qui ont chuté. Bon, ils n'ont pas perdu trop de temps. De toute façon, c'était les sprinters. Ah ouais, eux, par contre, Luis León Sánchez, 21e. C'est pas trop grave. Et maintenant, mes amis, le ralenti de ce sprint massif remporté par Mark Cavendish, qui est au début de ce sprint directement et qui l'a emporté, mais vraiment largement. C'était vraiment le plus fort sur ce sprint massif, il n'y avait pas photo. Et Benati et Brechel qui se sont battus aussi qu'Antoine, pas si mal que ça. Et enfin, derrière, les leaders qui ont suivi de l'équipe Team Sasso-Tinkoff et tous les autres coureurs du Tour de France. Nous revoyons un instant le sprint de Cantwell, juste derrière Mark Cavendish. Mark Cavendish qui n'avait toujours pas lancé le sprint et qui était pourtant déjà devant. C'est assez impressionnant quand même, Mark Cavendish tout seul devant, tout seul en tête, l'homme le plus fort. Nous allons maintenant passer, les amis, au podium de cette étape avec en première position, bien sûr, Mark Cavendish, deuxième, Christophe, troisième, Brechel, suivi de Mathieu Gosse, de Kittle, de Daniele Benati, de Vetkus, de Dekengorb, de Renshu et de Tyler Farrar.
Pour le maillot jaune, c'est toujours Alberto Contador avec une avance de 28 secondes sur Christopher Froome. Et enfin, une troisième position pour Joaquin Rodriguez. Ça ne change pas le classement général. Le podium du maillot vert, toujours avec Mark Cavendish qui conforte sa petite avance, on va dire, vu qu'il a plus de 80 points. Donc ça commence à faire quand même un petit peu beaucoup. André Greipel, deuxième position, à égalité avec Matthew Goss, 234 points, suivi de Benatti à 175 points. Le maillot blanc à pas rouge, c'est toujours Christopher Froome avec 4 points d'avance. Là aussi, ça ne bouge pas, suivi de Contador et de Nicolas Roche. Pour le maillot blanc, toujours Mauka avec 17 secondes d'avance sur le coureur de la BMC, Van Garderen, suivi de Quintana, de Pino, de Ulrici, de Talansky, de Kwiatkowski, de Vichot, etc. Pour la team Sasu-Tinkov, c'est toujours largement supérieur par rapport aux autres. Voilà, la G2R la mondiale qui est à 16 minutes 37, de la team Saxo, Radio Shack Léopard à 19 minutes 45, et la Sky à 22 minutes et 21 secondes. Et voilà une grosse victoire, je dirais même. C'est pas une victoire, c'est une grosse victoire pour Cavendish. Franchement, il a été très 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 fort. Bravo Marc. Voilà. Alors, en tout cas, on continue. On continuera du moins la prochaine fois sur l'étape numéro 14. Étape numéro 14, les amis, ce sera une étape de moyenne montagne entre Saint-Pourçain sur Sioule et Lyon. Coucou à tous les Lyonnais. Même si je suis stéphanois. Ouh. Voilà, donc du coup, on aura trois cols de montagne à gravir. Donc pourquoi pas une victoire, je dirais, pour... non pas les sprinteurs, mais pour des coureurs qui voudront faire une échappée. Je pense que c'est une possibilité. Alors il faudra partir avec un coureur dans une échappée Nicolas Roche, de préférence dès le début du premier col, directement, comme ça au moins on est sûr d'avoir les 3 points de montagne tranquillement. Voilà. Alors, en tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et on passera la prochaine fois à l'étape 14 avec enfin quelques points de montagne. Voilà, en tout cas portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine. Salut tout le monde.